le massif star de cette région, le deuxième plus haut sommet du massif central. C'est quoi le sommet? C'est là-bas, hein, c'est le plomb du Cantal. Alors là-bas, c'est le plomb du Cantal et en face de nous, le Puy-Marie. Qui dépasse. Voilà, qui dépasse. Les monts du Cantal. Ouais. Et de l'autre côté, là-bas, eh bien, on voit le Sancy. Absolument. Donc on est vraiment dans le Cézallier, entre ces deux massifs qui sont les plus hauts de cette région. Et puis au milieu, ces espèces de plateaux, ces plaines élevées que vous aimez tant, dans lesquelles vous êtes née. Oui, en fait, je suis née à Aurillac, mais j'ai grandi dans cette fente-là, vallée de la Santoire. La Santoire qui prend sa source au pied du Puy-Marie et qui va se jeter à Condat, dans la rue. Ça doit faire 39 km en tout, à peu près, hein, le cours de la Santoire. Et donc là, on a le plateau du Limon et là, de l'autre côté, derrière, le plateau du Cézallier. Et on a du pays émacier. Le côté bocager, c'est la vallée. Sur les plateaux, la végétation se raréfie et on a de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe et du vent. L'été, des vaches. L'été, les vaches. Parce que ce sont des plateaux d'estive. Hein. Ouais. Le Cantal est le premier département de France pour les estives en vaches. Il y a très peu, il n'y a quasiment pas d'estives de moutons ici. Quelques-unes, mais très peu. Donc, de mai à octobre, vous avez les vaches sur les deux plateaux. Et le reste du temps, vous avez le vide, le vent, le soleil, la lumière, le temps qui passe, les saisons qui passent. Et quelques troupeaux, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, des troupes de chevaux lourds, qui sont les seuls animaux qui passent l'hiver sur les plateaux. Il faut être un peu rude. Oui, je crois qu'il faut être un peu rude. Même pour un cheval. En effet. Et vous avez bien sûr la... Là, je parle des animaux domestiques, parce que vous avez bien sûr la sauvagine sur les plateaux. Hein. La sauvagine. Du gibier. Ah oui. Ah bah oui, forcément. Ouais. Forcément. Et est-ce que vous faites partie des gens qui préfèrent les ciels comme ça, avec quelques nuages, que les grands ciels bleus? Le grand ciel bleu ici, ça a quelque chose de presque incongru. Ça sent son Luberon, si vous voulez. Moi, je préfère ces cieux-là, parce que je trouve que la lumière voyage davantage sur le ventre du pays, sur les plateaux, sur ces reliefs très ronds, comme ça. Donc, je préfère ces cieux-là, oui. Ces lumières-là, elles sont plus riches, plus changeantes. Et sur ces plateaux élevés, comme ça, où il n'y a que de l'herbe, quand on voit les nuages passer, on a conscience du temps. Parce que sinon, on pourrait presque la perdre, cette conscience du temps qui passe. Il n'y a pas de repère. Ça, c'est vrai. Quand j'étais enfant ici, notre maître d'école, qui habite tout près d'ici, à Dienne, nous donnait vraiment le sentiment aigu, sans faire de grandes phrases, hein, que ce paysage-là avait existé des millénaires avant nous et continuerait à exister des millénaires après nous, peu ou prou, avec plus ou moins de couverture végétale, etc., mais, ou arborée. Mais il y avait quelque chose d'une pérennité qui nous échappait et nous dépassait complètement. Et moi qui vis la plupart du temps à Paris, qui viens ici 10 semaines par an, j'ai conscience quand j'arrive ici d'une sorte de décrochement dans le rapport au temps. Il continue à passer, hein. Hélas, puisqu'il faut en partir d'ici. Vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose qui se passe dans le rapport au temps, et donc dans le rapport à la vie et à la mort, parce que le rapport au temps, c'est le rapport à la vie, à la mort. Et il y a un rythme particulier, une grammaire particulière du monde ici. Alors moi, j'ai la chance d'y être née, hein. Je considère que c'est une grâce. Mais j'ai toujours su que j'en partirais, que je n'y vivrais pas tout le temps. En fait, plus on se dirige vers le pont du Cantal, plus le paysage commence à bouger, à avoir des rondeurs. Mais de ce côté-ci, là, c'est vraiment le Cézallier. Hein, c'est une sorte de plateau avec quelques îlots de forêt comme ça. Alors, les îlots de forêt... Il y a des choses à dire, parce que en termes de pays émaciés, vous savez, on appelle ça les petites Mongolies, hein. Ouais. Ce sont des steppes. En termes de steppes, vous avez, tout le monde connaît l'Aubrac. Mmh. Et sur l'Aubrac, un peu plus haut, un peu plus grand, et des bois de hêtres. Alors qu'ici, ce que vous voyez, ce sont des conifères. Hein. Ils ont été plantés. Ils ont été plantés. Ce sont des conifères plantés. Et ils rythment le paysage, certes. Mais ils sont récents et, à mon sens, ils n'ont pas le côté charnu, rond, changeant
changeant avec les saisons, etc., des bois de hêtres. Il y a des hêtres d'ailleurs là, hein, sur le flanc là, du coteau, il y a des hêtres. Et là, vous avez des pins. Et ces pins-là, je les ai connus quand j'étais enfant. Beaucoup sont tombés au moment de la tempête, la grande tempête de 99, ça a été terrible. Là, ça a décimé de nombreux pins. Et derrière, ça a décimé aussi pas mal de Douglas plantés qui se sont tous effondrés comme des châteaux de cartes. Ça vous fait moins mal au cœur, les Douglas plantés. Beaucoup moins. Et les pins, c'est très singulier ici, ce couvert de pins. Et en fait, ce pays qui est un pays donc de vent, de lumière, d'herbe, c'est aussi un pays pour les arbres. Mais parfois, les arbres s'absentent. Voilà, c'est ça, en fait. Et on sent qu'ils ont du mal, quand même, voilà, à résister. Ça, hein. Ils sont noueux, tortueux. Ouais, ouais. Et il faut qu'ils fassent avec le gel, avec l'hiver, avec le vent. Ils font, ils continuent. Les arbres, les chemins, qui, sur tous ces plateaux, sont des chemins opiniâtres lancés dans le bleu et dans le vide, comme ça. Et aussi, sur côté Cézallier, pas côté Limon, mais côté Cézallier, vous avez encore... On les voit très très bien quand on va vers Allanche. Vous avez encore cette graffie des murs de pierre. À l'origine, les parcelles étaient séparées par des murs de pierre. Et ces murs de pierre, pour certains d'entre eux, n'ont plus la fonction de séparation des parcelles. Maintenant, elles sont séparées par des barbelés. Hein. Ou du Gallagher, attention. Du Gallagher. Ah oui, le Gallagher, c'est le barbelé sans les crocs, sans les pics. Voilà, c'est plus facile, on peut plus facilement se glisser entre les... voilà. Et... En fait, les murs de pierre, là, hein, ce sont comme les ossements de ce monde. Le pays est à l'os. Et ici, la caillasse qui dépasse, on a le sentiment que c'est le socle, la carcasse du corps du pays. J'appelle paysage le corps du pays. Et du point de vue géologique, vous avez raison, oui. Parce que c'est vraiment le socle hercynien qui affleure. Oui, c'est aussi ce que nous apprenait notre maître d'école, Monsieur Brunet. Qui est à bon pied bon oeil, je vous prie de croire, il faut croire que le pays conserve. Il habite tout près d'ici, donc il a 88 ans, il se porte comme un charme. Et il nous apprenait ça aussi. Et il nous disait aussi le Massif central et le château d'eau de la France. Ouais. Avec tout ça, on a quand même du mal à ne pas avoir le pays dans la peau. Alors ensuite, comment on y vit ou comment on n'y vit pas, comment on le porte en soi ou pas, c'est une autre histoire. Une histoire qu'on racontera tout à l'heure parce qu'elle est ancrée dans votre existence, même si vous vivez à Paris, vous l'avez dit. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'on peut passer de Paris à ici, mais on le verra tout à l'heure. On parle de ce pays comme du Nil. Pourquoi Nil? Alexandre Bialat a dit, hein, l'Auvergne est une île. Alors, je crois que c'est moins pour des raisons géologiques, géographiques, quoi que tout ça soit lié, que parce que le pays est isolé. Voilà. Pour y venir, ça a toujours été long et ça persiste à être long. Et ici, vous avez peut-être remarqué les routes, par exemple. Elles n'en finissent pas de finir. On a toujours le sentiment qu'elles finiront par arriver nulle part. Voilà, c'est un peu parfois même angoissant. Vous voyez. Et je crois que ce qui fonde le sentiment de l'insularité ici, c'est essentiellement l'isolement. Et aussi le rapport à l'hiver, parce qu'il se trouve que le climat, même si l'altitude n'est pas très élevée finalement, hein, l'altitude à laquelle on vit, voilà, 900, c'est 1000 mètres. Voilà, entre 1000 et 1200 on vit ici, les fermes d'altitude elles sont à 1200 mètres, voilà. Mais le climat est rude, hein, je dis volontiers moi qu'il est rechigné comme une personne, voilà. Et ici les gens disent en manière de boutade qu'il n'y a que deux saisons, le 15 août et l'hiver, voyez. Alors bon, c'est une boutade. Mais n'empêche qu'elle elle révèle quelque chose. Donc je crois que le sentiment d'isolement, il est très lié à ça, au fait que c'est loin de tout. On dit bien d'ailleurs pays perdu. Ça fait penser à l'île d'Ouessant, par exemple. Alors ça n'a évidemment pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres là-bas non plus, mais les gens sont très solidaires. Est-ce que le fait d'être isolé dans ce pays renforce la solidarité? Il renforce en tout cas le sentiment d'avoir à vivre ensemble. Et d'être ensemble, pas toujours forcément dans une solidarité généreuse, active. Je crois qu'il ne faut tout de même pas se raconter des histoires et peindre les villages en rose, hein, et la vie de village en rose. Elle n'est pas rose ni ici ni ailleurs, mais qu'il y ait des solidarités liées au fait qu'on est peu nombreux et qu'on ne doit compter que sur soi, ça c'est indéniable. Indéniable. Mais je crois que c'est le fait de tous les pays isolés. En effet, vous avez raison de faire allusion à l'île d'Ouessant. Et moi, la première fois où je suis allée sur l'île de Sein, par exemple,
j'ai pensé à ici. Voilà. Parce que on a la vue longue. Voilà. C'est ça. Sur un horizon d'attente qui toujours donne le sentiment de se dérober. C'est aussi le propre des îles. Quand on voit la rudesse de ce pays qui est, franchement, je le partage avec vous, ce sentiment qui est juste magnifique, fascinante, on se dit quand même que pour y vivre, il faut y être né. C'est vrai ça? Alors ça fait partie de, comment dire, ces vérités premières qu'énonce la Vox Populi, mais qui ne sont pas, enfin dont certaines à mon avis ne sont pas incontournables, voire on peut très bien les contourner. Parce que moi, qui suis née, je n'y vis pas, et j'ai des amis qui m'ont appris des choses sur ce pays, qui n'y sont pas nés et qui ont choisi de venir y vivre. Bon, alors c'est sûr qu'il faut s'y faire apprivoiser, mais je crois que c'est le propre de tous les pays un peu insulaires, hein. Il faut se faire apprivoiser. À l'époque, un buron, ce n'était pas une jolie petite maison dans une steppe magnifique, c'était quand même un trou avec un toit dessus et il fallait y passer une partie de l'été. Ça en dit long quand même sur les conditions de vie des paysans. Oui, disons que les conditions de vie des paysans, dans la vraie vie des vrais paysans, s'éloignent considérablement des représentations souvent nostalgiques, enjolivées, charmantes, charmeuses, enchantées, que l'on en a, surtout en milieu citadin. Ouais. Mmh. Oui, c'est un peu un fantasme, hein. La vraie vie, la nature, les poules, les légumes. Vous l'avez vécu, vous en avez une forme de nostalgie que vous décrivez très bien dans vos livres, mais enfin quand même, on sent que cette simplicité n'était pas simple du tout. Mmh. Oui, c'était une... J'aime à dire que c'était une simplicité acrobatique. Je ne suis pas certaine d'ailleurs que le terme simplicité me convienne, ni même que le terme nostalgie me convienne. Parce qu'en fait, la nostalgie, c'est la douleur de l'impossible retour. Or, non seulement je sais que je ne retournerai pas à cet état-là, mais je ne le souhaite pas. Ouais. Je ne le souhaite pas. Et le fait d'avoir quitté ce lieu et ce milieu à 18 ans pour faire mes études, j'ai vécu pendant les 18 premières années de ma vie ici. Et mes parents, en effet, étaient paysans. Mon frère l'a été après eux. Et à la différence de la plupart des gens de ma génération et de mon âge, je n'ai pas de génération intermédiaire. Je n'en ai ni une ni deux. Si vous observez la population française aujourd'hui, dans les familles de la plupart des gens, il suffit de poser la question, vous verrez, ça vient très vite. On gratte un petit peu, à deux ou trois générations, on a le socle hercynien paysan dans la sociologie de la population française. C'est l'histoire du XXe siècle. Pas dans la mienne. Mes parents et mon frère donc, étaient paysans, donc c'est un rapport direct. Oui. À ce milieu, à ces gestes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nostalgie. Absolument. Et je me suis rendu compte en publiant des livres et en les accompagnant beaucoup en librairie, en médiathèque, etc. et en rencontrant mes lecteurs et lectrices que eux souvent avaient une nostalgie liée à ces raisons très sociologiques. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot, mais qui ne vous convient pas effectivement. À moi non, mais à la plupart de mes lecteurs si. Ouais. Et comment vous expliquez ça? On n'est pas bien en ville, pourtant vous vivez à Paris. Mm-hmm. C'est un drôle de choix d'ailleurs, quand on a vécu ici, qu'on aime à ce point ce pays, qu'on en parle aussi bien, vivre dans la capitale, c'est quand même... Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence sociologique aussi. Quand on est ces filles de paysans, filles, hein, ça c'est très important, filles, pas fils, ouais. Filles de paysans dans les années 60-70, dans ce type de paysannerie, dans ce type d'agriculture, parce que c'est très complexe la question des agricultures en France ou en Europe, eh bien quand on essaie, comme je suis née, dans ce lieu et dans ce milieu, à cette époque-là, on était programmé pour partir. C'est la chanson de Jean Ferrat, La Montagne. Écoutez-la et vous en saurez 10 000 fois plus que je ne pourrais vous en dire, moi, en 3 heures. Et lui, c'est 3 minutes 12. Donc il y avait une véritable fierté de la part de vos parents quand vous êtes montée à la capitale? Il n'y a pas l'envie de vous retenir au pays? Non, pas les filles. Les filles, il fallait qu'elles aillent gagner leur vie ailleurs. Mon père disait, vous irez chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas chez vous. Voilà, il le disait, lui, d'une manière un peu verte, mais c'était programmatique. Et d'où le problème, d'ailleurs, du célibat des paysans.
Si les paysans restent célibataires, je suis bien placée pour le savoir, c'est parce que les filles qui étaient assises à côté d'eux, des garçons, sur les bancs des écoles primaires de Dienne, d'Allanche, de Saint-Saturnin et de Condat, sont parties et eux sont restés. Ouais. C'est encore vrai aujourd'hui ? Non. Non, alors, fort heureusement, ça vraiment, ça signe un état des choses des années 70, 80, 90. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de paysans, certes, mais ceux qui restent, qui ont 30 ans, 40 ans, sont beaucoup plus rarement célibataires et pratiquent ce que j'appelle moi volontiers, et je ne suis pas la seule, hein, et on le voit aussi dans mes livres, ce que j'appelle volontiers le couple mixte. Oui. C'est-à-dire que l'homme est paysan, en général c'est l'homme. Hein, et la femme, elle, est aide-soignante, infirmière, institutrice, pharmacienne, alors ça c'est carrément le nirvana. Donc, ou s'occupe aussi du maintien à domicile des personnes âgées. Vous avez beaucoup de femmes de paysans qui font ce travail-là. Question de valeur, peut-être héritée de ces pays, on était obligé de le faire à l'époque. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, ça passe par des structures associatives, etc. Mais c'est très courant. Voilà. Et donc, ça implique aussi qu'on élève différemment les enfants. Parce que les enfants, par exemple ici, les enfants vont chez une nourrice, vont à la crèche. Ouais. Ne sont pas forcément, si vous voulez, quand ils sont petits, au milieu des travaux des parents, comme nous l'étions, mon frère, ma sœur et moi, par exemple. Et ils ont Internet. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste alors de cet amour du pays charnel que vous avez vécu, vous ? Bon, il leur reste l'essentiel, hein, ça. Hein. Parce qu'on a beau avoir Internet, on a ça aussi. Donc, il faudrait vraiment être curieusement constitué hein, pour considérer que n'existe dans la vie et n'a de sens dans la vie et ne peut vous donner le goût de l'existence que ce que vous voyez sur le petit écran. Je suis assez vous d'accord. Êtes planté au milieu de ça. Tous les jours. Regardez, là, il y a un gamin qui court au milieu des vaches et ça vous rappelle peut-être justement ce que vous faisiez. Oui, absolument. Alors, le gamin, il est en train de les accamper, les vaches. De les accamper ? Oui, accamper, c'est un mot patoisant et français à la fois. Il veut dire qu'il est en train de les rassembler, quoi. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure quand on est arrivé. Oui, il y avait le paysan qui appelait criait. Ses vaches. Oui. Mais il ne criait pas, il appelait ses vaches en patois. Ah, d'accord. J'appelais ça un cri, donc là, effectivement, je ne suis pas du Césalier pour le coup. Et ces paysages sonores font partie aussi de votre mémoire, hein, qui est très intense. Oui. Et là, vous racontez d'ailleurs dans vos livres des paysages avec des odeurs et des sons. Oui, j'allais vous dire justement paysages sonores et paysages olfactifs. Parce que, et alors ça pour le coup, c'est immédiatement accessible à tout le monde. D'ailleurs, quand on dit paysage sonore, attention, ici on dit tout le temps, à la campagne de manière générale, et ici en particulier, le silence de mon œil. Ah oui. Pas du tout le silence. C'est vivant. Ah oui, c'est vraiment intensément vivant. Un chien qui aboie, le tracteur, voilà. Et les meuglements. Les meuglements, les coqs qui chantent, enfin vous savez que parfois ça donne lieu... Hein. Bon, ça bref, doit vous plaire ça. Ça m'intéresse beaucoup en effet. C'est un motif narratif passionnant. Et donc paysage aussi olfactif, vous avez raison, ça c'est très très important. Les odeurs, alors évidemment il y a l'odeur du foin, ça emporte. Il y a l'odeur de la bouse dans tous ces états, ça emporte un peu moins mais ça fait partie d'eux. Et il y a l'odeur de la terre mouillée, toutes sortes d'odeurs, les odeurs de mécanique chaude aussi, oui. Quand les paysans travaillent, le tracteur, etc. Ouais. Enfin, c'est un bouquet olfactif extrêmement, extrêmement riche. L'odeur de la rivière aussi, et l'odeur du vent. Le vent sent, et la nuit. La Parce qu'il fait plus frais et, je ne sais pas, il soulève des... Il soulève... quelque chose qui appartient au corps du paysage. C'est l'odeur du corps du pays. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui aime tant ça, pour le décrire aussi bien, arrive à Paris à côté du métro ? Moi, j'aimerais bien savoir. Quelqu'un arrive à Paris à côté du métro, fille de paysan, boursière de l'État français, la nécessité de faire ses études, de les faire vite, de les faire bien. Donc, on ne fait pas dans le bucolique, on n'a pas de nostalgie. J'ai toujours dit que j'avais étudié comment on laboure. Voilà. Sans me poser la question de savoir si je me sentais bien ou mal et si Paris puait. Oui, en effet, je me souviens très très bien de mes premières impressions. Elles étaient d'abord olfactives. Ouais. Ça puait, mais vraiment carrément. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre à sentir des remugles complexes dans l'odeur de la ville et aller dégager les unes des autres. Voilà, exactement, aller trier. Il m'a fallu beaucoup de temps. Mais... en ce qui me concerne, mais ça m'est très spécifique, je pense que ce n'est pas du tout la même chose pour beaucoup d'autres personnes. En ce qui me concerne, pour des raisons liées à mon histoire familiale, c'était abrupt. Voilà. Et il y avait un col à franchir, il fallait le franchir. Donc, on ne se posait pas de questions. Donc, je comprends très bien pourquoi vous êtes montée à Paris, mais pourquoi vous y restez aujourd'hui ? Pourquoi n'en suis-je pas redescendue, c'est ce que vous voulez dire. Oui, oui. Eh bien, en fait, très honnêtement, hein, je crois
C'est très intuitif, hein, mais je crois que la distance entre Paris et le bel ici est pour moi constitutive, cette distance, elle est constitutive du travail d'écriture. J'écris depuis l'âge de 34 ans, mais j'ai toujours voulu le faire avant de commencer à le faire. Et instinctivement, je sentais que pour en écrire, il fallait en être parti et en être loin, avoir une distance. Et cette distance, je la garde parce que je crains de façon très opaque, mais très tenace, très sourde, je crains, si je romps la distance, de rompre l'enchantement de l'écriture. Voilà. Et je pense que, très honnêtement, puisque les choses étant ce qu'elles sont, j'avance vers la retraite, je pense que quand je serai à la retraite, je passerai plus de temps ici, mais je serai toujours en tension vive et vivace entre les deux pôles. Paris et ici, les deux pays. Tellement différents. Ah oui, oui, oui. Oui. Enfin, totalement. Vous ne trouvez rien à Paris de ce qui vous a enchanté ici, absolument rien. Non. Ou alors peut-être justement le plaisir de voir des gens, une ville, quoi. Ici, donc, vous voyez ces espaces immenses avec une présence humaine que l'on sent, parce que les paysages ne seraient pas ce qu'ils sont si la présence humaine n'était pas ce qu'elle est, mais le vide, voilà. C'est un vide habité, mais c'est le vide. Paris, la promiscuité. Ici, un pays de terre extrêmement charnelle, Paris, la minéralité, voilà. Hein. Et ici, un rapport au temps qui semble dilaté et distendu, j'ai bien dit qu'il semble, parce que c'est plus complexe que ça, Paris, la trépidance. Pour moi, ce sont les trois pôles vraiment qui sont... Et donc, vous êtes heureuse dans ce mélange-là, voilà, dans Je suis mise par ce rythme-là en tension vitale d'écriture. Pour créer de l'électricité, il faut qu'il y ait deux pôles. Donc, je n'y touche pas. Je n'y touche pas. Comment est-ce que vous avez pu aimer à ce point-là la littérature et les mots, alors que chez vous, vous écrivez vous-même qu'il n'y avait pas de livre? C'est l'école. C'est l'école, bien entendu. Alors, en tout cas, vous n'avez pas baigné dans une atmosphère littéraire. Non, non, on n'était pas hostile aux livres, hein, chez mes parents. Mais il n'y en avait pas. Enfin, ce n'était pas l'usage. Et à l'époque très ancienne, maintenant, où je fus enfant... ici, il y avait très peu de médiathèques. Aujourd'hui, à Rueins-Montagne, il y a une médiathèque extraordinaire. Il y a une bibliothécaire qui est la meilleure de tout le Nevada, à Rueins-Montagne. Vous voyez ? Bon. Mais ce n'était pas le cas. Donc, moi, j'ai adoré l'école. Hein. L'école m'a adoré. J'ai adoré l'école. Je ne l'ai jamais quittée, puisque je suis encore professeure aujourd'hui. Et donc, j'ai eu une maîtresse de CP formidable. Et puis ensuite, un maître, les trois dernières années d'école primaire, qui a été un être fondateur dans mon existence. Je lui ai dédié un livre. Il est présent dans nombre de mes livres comme personnage ou comme personne. Et il a été là au bon endroit, au bon moment. Ce sont eux qui m'ont donné le goût du mot, de la phrase, des histoires, dans cet ordre-là. Vous voyez, dans cet ordre-là. C'est l'école. L'école a tout fait. Il y a quelque chose encore qui m'étonne, toujours à propos de cette dichotomie entre Paris et ici. Est-ce que ce que vous a appris la vie ici dans ces alliés vous a servi d'une manière ou d'une autre à Paris? Parce que, mine de rien, Paris est une ville extrêmement bourgeoise. Alors, est-ce que vous êtes en bourgeoisie là-bas ou est-ce que vous avez gardé vos racines terriennes et justement vous en jouez? Je crois que quand on vient de ce type de lieu, de ce type de milieu, on peut avoir... Alors déjà, à moins d'être complètement abruti, évidemment, quand on arrive... j'étais la seule fille de paysan, arrivée en 1980 à la Sorbonne, à Paris 4, pour étudier les lettres classiques, le latin et le grec, vous imaginez. Et donc, évidemment, j'ai tout de suite compris que la grande affaire, ça allait être... C'est un mot que je n'avais pas dans mon vocabulaire à cette époque-là, évidemment. Je n'avais pas lu Bourdieu, hein, que ça allait être les codes. Voilà. Que les codes étaient profondément différents. Bon, ben, je les ai appris à tâtons, comme tout le monde. Hein. Je pense que c'est une histoire très générationnelle et très partagée. Elle n'a rien de très original. Il y avait peut-être un écart très grand, en effet, entre le monde d'où je venais, et je parle aussi en termes de paysage et de corps de pays, puisque c'est notre objet aujourd'hui, et le monde dans lequel j'arrivais et qu'il allait falloir apprivoiser. Toujours une question d'apprivoisement. Donc ça s'est fait à tâtons et sans avoir d'état d'âme parce qu'on n'avait pas le temps. C'était un luxe d'avoir des états d'âme. Et quand je dis « on », c'est générationnel encore aussi. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Et je crois que quand on a vécu ici, quand on a travaillé par exemple, hein, quand j'étais enfant, adolescente et enfant, on travaillait vraiment les travaux...
à la ferme, par exemple, la fenaison, vous savez, ce n'était pas Madame de Sévigné qui promène son râteau. Hein. C'était, et ça vous donne de l'allant, hein, de l'élan. Hein. Et du courage. Que, oui, une forme de ténacité un peu obtuse qui est extrêmement utile dans la vie. Extrêmement utile. Et puis une forme de santé, d'énergie. Vous savez, l'énergie, étymologiquement, c'est en ergon, c'est du grec, c'est dans le travail. Ça veut dire ça, l'énergie. Ah oui. Et Pierre Bergoglio, qui est un écrivain que j'admire infiniment, le Corrézien, dit que, ici on est sur un volcan, hein, il dit qu'il y a une sorte de capillarité sourde et sûre du feu volcanique qui monte dans le corps des autochtones, dont je suis, il m'appelle la petite Lafon, il dit que la petite Lafon, elle a une part de l'énergie volcanique en elle, il a peut-être raison, c'est organique, c'est pas un effet de volonté, c'est une histoire de corps. Voilà. Marie-Hélène, vous avez tenu à m'amener au bord de cette rivière, la Santoire. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ? Elle évoque le commencement du monde. Elle bornait le pré de mes parents. De l'autre côté, ça n'était plus à nous. Donc, le monde commençait. Et ça évoque aussi le fait qu'elle partait. La rivière partait. Et nous, nous ne partions pas. Parce que les paysans, ça part pas. Donc, on la regarde passer en se disant... Elle part. Un jour, peut-être, j'irai. Oui, mais elle part. Elle part comme les nuages, comme le vent. Elle part. Et ça évoque aussi les nuits d'été et les nuits d'enfance où j'entendais son feulement quand je dormais les fenêtres ouvertes. Alors le bruit de cette rivière est quand même très particulier et me fait penser à tout ce qu'on rencontre comme rivière douce ici dans le Massif Central, très différent du fracas des torrents alpins. Les Alpes, vous connaissez ? D'ailleurs, vous voyez en fait ce que vous venez de dire là des torrents et des rivières s'applique aussi à mon avis au relief. C'est-à-dire que ici vous avez, en dépit de l'âpreté relative du pays, vous avez une douceur et une rondeur et un côté charnu du corps du pays qui s'oppose pour moi au côté acéré des montagnes alpines. Elles sont trop jeunes, elles sont trop pointues. Elles s'enfoncent dans le ciel avec une sorte de... un air conquérant qui ne me... Qui ne vous parle pas. Non, qui crée même chez moi une forme d'angoisse. Et de surcroît, on n'y a pas longuement la vue longue. Ouais. Sauf sur les sommets, mais voilà. Encore faut-il. Encore faut-il les conquérir, y monter et en redescendre avec l'équipement ad hoc, etc. Je ne doute pas que l'ivresse, lorsqu'on y est, y soit considérable, hein. Ça, c'est évident. Mais j'aime beaucoup l'ivresse horizontale des pays d'ici. Ce qui m'étonne quand même, c'est que vous parlez de sédentarité des paysans, alors qu'on a toujours l'impression qu'ils se promènent, qu'ils font de la randonnée, qu'ils regardent le paysage. Non, ils ont du travail. Ah, bébé, évidemment. Alors là, les paysans qui se promènent, qui font de la randonnée, qui regardent le paysage, c'est dans... C'est une vue de l'esprit. L'imaginaire. Oui, c'est voilà, dans les livres ou dans les films. Non, très honnêtement, évidemment qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des jeunes paysans qui arrivent à s'organiser pour prendre des temps de vacances, pour s'en aller avec leurs enfants, en famille, etc. Mais quand j'étais, moi, enfant ou adolescente, je vous prie de croire qu'on ne se promenait pas et on ne partait pas et on ne faisait pas de tourisme. Ouais. Et le travail était tenu. Ça vous tient, les bêtes, ça vous tient. C'est pour ça que cette rivière, c'était une frontière. C'est à la fois quelque chose qui vous emmenait loin dans votre imagination, mais qui marquait la frontière avec l'étranger. L'étranger, c'était en face. Oui, oui. En face, c'était plus à nous. Et la rivière partait, les rivières partent. Et ça, dans mon imaginaire d'enfant, c'était fondamental. Et cette rivière porte de surcroît un très beau nom, hein, qui est aussi un patronyme. Elle s'appelle la Santoire. Et pendant longtemps, j'ai pensé que si un jour j'écrivais, je prendrais le nom Santoire comme pseudonyme d'écrivain. Et vous ne l'avez pas fait ? Et je ne l'ai pas fait. Vous appelez toujours Marie-Hélène Lafon ? Absolument. Est-ce que cette rivière vous avait déjà donné envie de lointain, de partir à Paris ? Vous passiez des heures à la contempler, à l'écouter quand vous aviez les vaches bien tranquilles derrière ? Pas des heures, hein. C'était plus fugitif que ça. Mais je l'ai dans l'œil, oui, je l'ai dans l'œil pour toujours et je l'ai dans l'oreille aussi. Elle fait vraiment intimement partie de mon paysage sonore. Oui, c'est ça. Alors, il y a les paysages sonores et puis aussi, on en parlait tout à l'heure, les paysages olfactifs. Pour vous, ces champs-là qu'on est en train de fouler, ils sentent l'herbe. C'est prêt, si je puis me permettre.
Ah, car une différence. Dans le champ, on sème, du verbe semer. C'est vrai. Dans le pré, ici, pré ou prairie, mais ouais. On emploie toujours le mot pré ici, on emploie peu le mot prairie, l'herbe pousse toute seule. Alors on peut la stimuler un peu, hein, ouais. Mais elle pousse toute seule. Et donc, elle a une odeur particulière. Oui. Et ces prés-là, ben, ils sentent la terre, ils sentent l'herbe, ils sentent la bouse éventuellement, si les vaches y ont packagé récemment. Ils sentent ce travail-là, ils sentent quelque chose de très organique, de très antédiluvien, qui nous a précédés et qui nous continuera après nous, comme je le disais, des paysages. Elle a une couleur un peu particulière aussi, cette rivière. L'eau d'une mer générale dans les rivières du Massif central est souvent comme ça, sur cette teinte. Mais parce que vous avez un lit de cailloux et vous avez un dôme de feuillage. Et donc c'est ce subtil mariage d'un fond de cailloux sombre, regardez-les, les cailloux sont gris, hein, ouais. D'une part, et d'autre part du feuillage très dense. Alors là, en plus, en ce moment, il y a une petite éclipse de soleil et vous avez une eau sombre. Et quand on est en plein bleu, l'eau n'est jamais bleue. Elle est dorée. Ouais, elle vrai. Est dorée. Peut-être d'ailleurs que le mot la Dore, oui. Des rivières... Alors la Dore, je me suis laissé dire la Dore. Vous avez raison, du côté d'Ambert, là-bas. Mais je me demande si ce n'était pas une rivière aurifère, la Dore. Peut-être. Je dis peut-être une sottise, mais il me semble. Mais en tout cas, il faut regarder les rivières dans le fond des yeux. Encore une phrase conclusive contre laquelle je ne peux rien. Construire cette ligne de chemin de fer, j'imagine que c'était l'archétype de la modernité. Je n'y étais pas, pour tout vous dire. C'était au début du 20e siècle. Et en effet, c'était l'archétype de la modernité et il s'agissait de cette vieille lune qui consiste à désenclaver le pays. Toujours. Désenclavons, bien ouais. Sûr. Des routes, le chemin de fer. Et en fait, le chemin de fer, donc, a dû être inauguré avant la guerre 14-18, a été maintenu sous respiration artificielle dans les années 70-80 parce que successivement Georges Pompidou, Jacques Chirac, Giscard d'Estaing, donc des pouvoirs politiques qui avaient le cœur placé de ce côté-là du monde, et au milieu des années 80, ça s'arrête 7 décennies. Et donc, ça n'a pas réussi à désenclaver ce pays. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas plus mal qu'on soit un peu isolé ici? Est-ce que c'est un avis de touriste que je vous donne, là? Ça, c'est la sempiternelle question. Pardonnez-moi de vous dire que, évidemment que c'est un avis de touriste. Et évidemment que moi, qui ne vis pas ici toute l'année, je ne suis pas loin de le partager parce que je n'ai pas du tout envie de voir déferler des hordes en Bermuda et en tongs ici, évidemment. Mais bon, je caricature entre le déferlement des hordes en Bermuda et en tongs et un tourisme respectueux. Et enfin, il y a une marge énorme et ça peut s'inventer totalement. D'ailleurs, il y a quand même ici, de plus en plus, même s'il y en a encore peu, des gîtes, des chambres d'hôtes, enfin des lieux vraiment qui misent sur un accueil de qualité. Mais est-ce que les gens du pays ont vraiment envie de ça ou se suffisent à eux-mêmes? Les gens du pays savent qu'ils ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Les gens du pays savent que pour pouvoir continuer à vivre dans ce pays, à y vivre, c'est-à-dire à y gagner sa vie, il va falloir faire feu de tout bois. Non seulement de l'agriculture, mais du tourisme et éventuellement aussi d'ailleurs d'un apport, les crises que nous traversons étant ce qu'elles sont, de populations venues, alors soit des villes qui les auront excédées et comme recrachées, hein, soit même de plus loin. Donc venus tenter de s'inventer une vie ici. Forcément, la vie, la continuation, le salut de ces pays-là passe par l'invention de façons d'être qu'on n'a pas eues jusqu'à présent et par une sorte de brassage, d'ouverture, forcément.
Donc ça, c'est un symbole un petit peu raté de cette ouverture qui n'a pas lieu, en tout cas pas avec le chemin de fer. Raté, vous y allez vite parce que c'est beau. Et c'est vrai. C'est... Non, mais on voit la puissance, effectivement, le travail. Ouais. Construire une ligne de chemin de fer dans un pays accidenté comme ça, c'était un challenge. Et ces lignes de chemin de fer, donc aujourd'hui, celle-ci par exemple, celle-ci c'est Neussargues-Bord-les-Orgues. Elle est réutilisée en divers points pour le tourisme. Et oui, grâce au train des Gentianes. Le train des Gentianes sur le trajet Rion-Esmontagne-Lugarde ou bien le Vélorail sur le trajet Allanche-Landéra. Alors j'ai passé une journée formidable avec vous. Vos mots m'ont transporté, m'ont donné envie de connaître encore mieux ce pays. Vous l'avez dans le sang, vous l'avez dans les tripes. Pourquoi avoir voulu l'écrire aussi? Oui, plutôt que dans les tripes, je dirais dans le sang et sous la peau. Et dans la peau aussi. Et j'ai voulu l'écrire parce qu'il me paraît très nécessaire, très vital, que toutes ces vies, ces strates de vie minuscules entassées les unes sur les autres ne se perdent pas dans les steppes du silence. Écrire, c'est aussi inscrire une trace.